On est reparti sur Westland 3 et on a dit qu'on irait au cinéma vérité. Voilà, près du bizarre. Bah, en gros, faut que j'aille un petit peu au bizarre quand même, parce que là, il y a quand même des trucs à faire là. Ça, je sais pas si. Et puis. Et puis, puis le fanatique. Ok. Donc là, on va pouvoir aller par là. Je vais peut-être aller au QG pour me faire soigner. Ah, c'est toujours ça de pris. Filer des sous, ouais, récupérer des sous dans un commerce et puis après hop là, j'ai mais mine de rien on a fait quand même une bonne partie du game. Enfin, je sais pas, on doit en être à 20h, plus de 20h. Yes, on peut aller au QG. Je sais pas si je vais aller traquer la meuf. Je sais pas. Des esclavagistes. Peut-être y aller juste pour. Pas pour la ramener en tout cas. Non, pas pour. Ouais. Peut-être pour la libérer, je sais pas. On verra. Ok. Alors, maintenant qu'on est là, on va aller. Hop là, se faire soigner. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de grabuche comme la dernière fois là quand même. C'est bon. Good luck out there. Ok, ça va, personne s'engueule ici. Bon, on va aller pour se faire soigner ici. Ah tiens, je vais peut-être tester aussi. Ah mais il y a des médecins ici. Yeah. Ah non, c'est Yorv. Ok. Not sure how I feel about killing synths. But if doing so keeps. What do you need, Rangers? That's what you pay. Have a seat. Ok. Merci chef. If it ain't cut, don't stitch it. Et là. Bon, ok. Ok. Ah oui, ok. Ah oh, putain. Alors, tiens, j'ai un truc d'intello. Truc d'intello, c'est qui a ça? C'est Ursuline. Merde, c'était où? Modification d'armes. Non mais il y avait un truc d'intello. Ah.
Merde, mais je la trouve pas. Bon. Sinon. Donc là, armure de tank. Encore. Ça, ça résiste à vachement de choses. Hein. Mais bon. Armure tank, j'avoue que là. Janvier tank 6. Mince. Bah ouais. Ça c'est cool. Casque de tank. Et toi t'as quoi? Tu sors mécanique. Ah. Dommage. Ah mais là quand même. Ah, bah. Vas-y. Avance comme ça gros. Ah. Un assistant personnel, c'est ça que je veux. Paf. Oui, mais lui il avait ça. Techno cyborg, techno cyborg. Ok, ah mais ça du coup c'est pour l'autre. Ok. Ok, bon bah très bien. Mais sur ce, allons par là. Allez, Delgado. I feel bad for the refugees. A lot of people are pissed at them. Like it's their fault they're in this city. Happy to. Take a look. Allez, vendons tout ça là. S'il me reste encore des balles. Est-ce combien de balles? Il reste 50. Ouais, je peux en reprendre un peu. Hein. Putain, ça coûte cher. Hein. Aïe 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 aïe. 86. Ouh. Ah, il reste plus beaucoup. 46, ça c'est bon. 19, ok. 18. 118, ça c'est bon. 118, ça c'est bon. Peut-être reprendre. Ouais. J'y achète ça. Contre les cellules. Ok, bon, on verra ça après. Et voilà. Et bon, on va pouvoir monter dans le charge. Ah, bah, je peux peut-être aussi voir s'il n'y a pas des améliorations. Oh, hey, can one of you fellas help me lift the Kodiak's engine? Something's up with the tranny. Well, I can. Gosh, did you see it? Équipement. Ok, arme, j'ai pas le choix. Mortier, j'ai pas le choix. Blindage, j'ai pas le choix. Ok. Apparence. Ah, j'ai plein d'équipements de capot. Ouais, c'est quand même rigolo. Ok. Ok. Là, si, là, ce que je voulais faire quand même, c'était. Modifier l'arme. Dégâts plus 4. Waouh, ça peut être bien. Vas-y gros.
Modifier l'armure. Ah bah toi t'as déjà un plastron. Ok. Ah mais je marche bête, ouais. Modifier l'armure. Ok, donc je peux pas faire. Là ici, modifier. Ok. Là je peux rajouter un magasin. Bon, c'est pas très nécessaire là-dessus. Bon, par contre, j'ai peut-être vendre 2-3 trucs. C'est vrai que là. Peut-être vendre quand même un petit peu d'armement ici. Là, pour avoir des sous. Ah, à moins que je puisse en désosser quelques-uns. Démonter, oui. Ok, tenue de la ferraille. Démonter, oui. Ok. Bon, c'est pas ouf, hein. Ok, bon. Il y a quelques armures qu'on va modifier parce que. Welcome back, Rangers. What can I do for you? Happy to. Take a look. Ok. Ouais, surtout là. Oui, là-dessus. Non, non. Non. Non, bah très bien. Mais du coup, là, je peux peut-être acheter des trucs comme ça. Allez, achète. Voilà. Let's go. Nickel. Bon, bah là, maintenant, je peux retourner au Kamtar. Et, pouf. Et là, les gars. Et puis là, on peut repartir en mission. Allez. Je vais aller sur la carte. Et ouais. J'ai augmenté la survie, donc ça va être un peu moins emmerdé que la dernière fois. Hey, it's the Rangers. I'm She Monster from the Monster. Actually, hang on. You've been so good to us monsters. I'm gonna give you a prezi first, just for stopping by. Here. I know, huh? Thanks for recognizing. We usually just drink and watch old VHS ouais, okay. Monster movies and shoot the shit. It's the so long, lambs. Ouais, on en a pas besoin. Je sais pas en fait si je trahis l'armée des monstres parce qu'en fait ils sont vraiment comme je. Vraiment, c'est des monstres. Déjà.
Patriarch's new hires, right? The Desert Rangers. Got some stuff to trade if you want to look. Well, I ain't the best mechanic in Colorado, but how can I say no after a maintain your vehicle and don't stop if you don't have to. These days, so long, Rangers. Ok. Ah ouais, mais non, mais de toute façon, j'ai pas d'argent. Bonjour le journal. Ah, il a trouvé le V-Bunker, bah c'est ça. Du coup. Allez, j'entre dans la zone. I'm in the zone. Allez, pouf. Trop facile, les gars. Ah, mais c'est vrai que j'ai toujours mon... j'ai toujours mon poulet cyborg là-dedans. Ok. Ah, trop bien. Oh putain, il y a du sang. Oh là. Non. Ouais, allez. Non. Allez, vas-y. Alors, toi... Oh putain, il y a une toile laser. Bon. Allez, processeur, vas-y. Ah, chiotte. Ok, Ursuline. Oh la vache. Voix de laser, c'est compliqué de voir. Allez, vas-y, essaye de dézinguer le processeur, bordel. Ah, oh, c'est relou. Il n'y a pas un mécanisme là. Non, ils sont là.
Oh non. Ok, super. Attends, toi t'es où? Ah oui, t'es là. Oh là là. Allez la cocotte. Bon, vas-y. Oh, j'ai marre. Ah merde, ah oui mais y'a plus de quoi se protéger en fait là. Ok. Ah mais elle, elle est. Ah oui d'accord. Oh ça c'est quoi? Ok, bon bah toi là tu... Ok. Et toi, Quan, on peut te rajouter un peu de force. Confirmer. Et ordure sur moi, c'est pas mal. Allez. Confirmer. Très bien. Allez les gars. Bon, il doit bien y avoir des trucs à loot là-dedans, là. Il y a des robots déjà. Ah, il y a un grille-pain à réparer, ok. 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 Bon là, il y a peut-être un truc à voir là-dedans. Je ne sais pas. Ok, ça sent... Ok, ça descend ici. Et là ici. Ah putain, je vais peut-être je vais peut-être interrompre les... Les tourelles. Ok. Bon, on va voir aussi là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ok. Ok, super. Voilà. Ah putain, l'explosif fait chier.
Bon, Lucia. C'est ce qu'il te reste à faire. Ok. Oh la vache, il y a encore plein de robots là-dedans. Bon, c'est pas très grave, mais quand même. Allez. Putain, j'ai dit de te piquer, putain, c'est chiant. Bon. Boum. Voilà, d'autres questions. Bon, c'est combien ça? 15%, ah, vas-y hein. Processeur, allez. Non, raté. Ok, bon ben, on va celui-là. Hein. Oh non! Oh la vache. Charger la dernière sauvegarde. Putain, mais si. Bon. Ah merde, mais quel con. Putain, c'est pas vrai. Pas vraiment rapide. J'ai pété un câble. En fait, ce qui aurait été bien, c'est que... Ouais, ok. Ah, okay. Ah bah ça doit être un petit bug de chargement. Ok. Ah le chat. Quel con. Tant pis. Bon. Putain, lui, il est presque mort là. On devrait y aller. Ok. Bon. Bon, bon, bon. Ok. Céline. Ok. Ok. Je crois que j'ai reçu des super bonus. Superbe ça. Aveuglement. Merde.
Ça me plaît pas parce qu'il y a l'autre qui est un peu mort quand même. Non, j'aime... Chargement rapide, hein, ouais. Je vais quand même charger. Parce que le one shot gun là, il est quand même... Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'acharne là-dessus? Je sais pas. Et où le... Ah mais oui, c'est parce qu'en fait il... Revenons là. Maintenant, ok, maintenant qu'on est là, on va retourner là. On va même s'éloigner un peu. Là. Puis là, toi Lucia, tu vas... Voilà, bah, très bien. Bon bah là, on est quand même déjà mieux. Sauvegarde rapide. Ok les gars. Ah ouais, hors de portée. Cible bloquée. Ok, bon, bah c'est dans ce cas-là. Cible bloquée? Bloquée par quoi? Ok, super. Voilà. Et tu vas pouvoir te mettre là. Allez, ça a déclenché là. Non! Pourquoi on voit pourquoi. Bon, trousse de secours.
Ordinaire. T'as un peu de chance, toi. Ok, j'ai 3 points, donc... Exclusif, non, on va pas faire. Je vais garder mes points, comme ça je pourrais mettre du crochetage ou de l'arme automatique. Et là on va faire... Waouh, pas mal ça. Au niveau du crochetage... Non, y'a rien. Faire ça. A priori, il n'y a personne d'autre. Ouais, bah c'est toi. Allez. Non, c'est cher payé quand même. Hein. Je trouve. Ah. Ah, bah ça, c'est très bien ça. C'est bon. Ah oui, mais je pense que j'ai fait pas beaucoup. Ok. La camelote et tout. Bon, juste... juste... soigner Céline qui est quand même un peu dans le bad. Utiliser le produit sur soi. Voilà. Très bien. Ah, le doyen, il a. Il a pêché ou pas? Non, ça va. Ok. Là, on a dit qu'il n'y avait rien, donc là, je peux passer par là. J'espère juste qu'il n'y aura pas de piège. Ah si, c'est bon là. Très bien. Ça je peux... Oh la vache. Oh putain, enfin, un truc encore un master quoi. Bon bah j'espère que... Bon bah vas-y hein, de toute façon... Alors Germain, passe à moi. Vas-y, pente pas, hein. Je retends pas. Ok. Ah, c'est insuffisant. Ok, on peut le mettre là. Vas-y, les gars. Ok. Super, easy Joe. Ok les gars, truc d'un télo. Ok, truc d'un télo. Ok, truc interrupteur. Paf, ah il m'en reste un encore. Ah il y en a un là. Ok. Ok, bon bah, a priori, les rockets. Ok. Je crois qu'ils nous gavent bien en médecine, là, en médecine douce. Et là, normalement, il n'y a plus rien.
Ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ici? Ah, ah tiens, Lucia. Ah, mon cœur. Non. Comment ça, cible bloquée? Par contre. Ok. Look, I know what you're thinking. It's a fucking Time Store mask, a kid's toy. Am I right? Here's the thing. It ain't about the fake fur or the rubber teeth. It's what's behind the mask that scares the shit out of people. You put that mask on, and you're invisible. You can do anything, and I mean anything. When they look at you, they may not see the monster at first, but they will. It's just a matter of time. Now put that fucking thing on and go scare the shit out of some people. Ok les gars. Bon là à mon avis ça va un peu Qu'est-ce qu'on a là? Putain, on a plein de petits électrochiens. Ah putain, P1 suffisant. Thank you.
Oh mais qui tu vas où toi? Aïe 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 aïe. Ok. Bon après, non, t'inquiète pas celui-là, ça sert à rien. Celui-là je vais le pouvoir le pirater mec. Ok. Non mais j'ai encore gagné des levels, man. Ok, il faut le mettre, ça c'est toujours pratique. Pote de mine. Ok, bon des 9 mm, on n'utilise pas. Sac de toile. Ah, des trucs. Ah putain, trop bien. Toutes les squads. Ok. Ah très bien ça. Des masses, mais ok. Rendage de véhicule, très bien. Ok, bon ben. Peut-être ton petite dame là qui a pris un peu cher, on va peut-être la soigner un peu. Pouf, allez utiliser. Et toi t'as pris un petit peu la prof Higgins. C'est vrai que normalement t'es t'as pris de l'intelligence et tout. On peut dire de la chance. Chance ou de l'intelligence? Allez, on va faire ça. Pouf. Let's go. Yes. Et là, boum, 4 points. Alors, on va dire. Alors, soit arme automatique, réparation de grille pain. Pour le moment, j'en ai pas forcément besoin des masses. Allez. Ok. Sauvegarder ça. Et puis on est bon. Hein. Je sais plus si j'avais d'autres choses. Ah si, ouais, il y avait le super. Espèce de petite poupée, le vaudou là, qui donnait plus ça. Je sais pas où elle est. Elle est où? Celle-là? Moi, je sais pas.
Probabilité de coup critique. Waouh. Ah, mais ça, je vais peut-être le rajouter sur celui-là. Hein. Ah, là déjà. Eh ben, je vais le faire sur lui. Non, je crois qu'il a déjà. Ah non, il a pas de lunettes. Ok. Ouais, ben voilà. Ok, bon bah très bien. Bon bah on va pouvoir rejoindre le Kodiak. Boom. Ah, j'ai 204. C'est bon. 40, ça c'est bon. Toi, 62. Un peu light. 26, ça c'est light. On va faire ça, hein. Partir. On a découvert un nouveau truc, j'ai l'impression. Oh non! Ah. Très bien la chaîne. On va pas y aller pour le moment. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller filer les bobines de fil là. Ah mais merde, je me suis pas de chance. Hey gang, time for another episode of Rocky Mountain Monsters. We're in a part of the mountains where there have been sightings of a huge, hairy giant lurking in the woods. The locals say it's a mutant cannibal hobo called Melvin. Je sais plus qui avait demandé ces bobines de fil. Des lilos là, un truc comme ça, mais je sais plus. Je sais plus où il était celui-là. Attends, J. On nous le dire. Ah bah oui. Guns. Je me demande si c'était pas là. I love you. I love you. He's staring at us again. Ah. Push well, it. When you're a man as push sexy real, as I am, you always gotta yeah, fight off the ladies. Non, c'est pas ça. Ah, Dylan, voilà. Ah, our clown slaying knights in shining armor. Ouais, je sais. Tiens.
Let's see what we've got here. Damn, this looks pretty bad. Where there's a will, there's a way. Just stand over there and look cute while I check this out. Well, I won't lie. They aren't exactly what I was hoping for. So here's what I'm thinking. The film is falling apart, and I can't get a full show out of any of them. But I'm seeing bits and pieces that we could totally use with a bit of imagination. Okay. Let's examine the reels together, and we'll come up with a story worthy of chicks flicks. Here, look at these. Do you see a good main character? Bon, on a des belles refs. Ouais, c'est Die Hard avec Bruce Willis. Ça doit être l'arme fatale. Et ça, c'est Indiana Jones. Ah, je sais pas quel est le plus kitsch. Ah, j'ai envie de savoir les trois en fait. C'est con. Je sais pas si on peut. Ah merde, dommage. Allez, Indiana Jones. Perfect start. Then a sultry priestess pulls him aside and ties him up with the whip. Yes, a story of a forbidden love between two people so different, yet irresistibly attracted to one another. That's a great setup. But we need to decide where it takes place. Here, look over these reels. Une voiture qui roule, ah, fouet ça. Retour vers le futur. Ça, bateau pirate. D'école militaire des pirates. Ça peut. On a un peu Top Gun. Allez, Indiana Jones dans Retour pour le retour vers le futur quand même, c'est quand même la base. Scene cuts inside the vehicle. Turns out lots of people are crammed in there. The lightning has energized not just the car, but also their sex drives. And a spontaneous orgy erupts. Not bad, not bad. Now, for the pièce de résistance, my lovelies. Some of these old reels still have semi-legible labels. Give it your best shot. Sex me up a title. La poursuite des... Jeux de famille, fait close. La chèvre du samedi soir. Bon. Allez. La chèvre du samedi soir. I mean... That's kind of weird, but hey, I'll leave this one up to your good senses. Oh, I see you have some beauties of your own with you. What do you think? Could one of your gorgeous friends star in our premiere? Wouldn't be long, I promise. Oh, just for a hot minute, darling. They'll be right back with you. Girl Scouts honor. Ok. Eh ben, on va envoyer Lucia ou Marshall Cohn. Les deux ont besoin de se détendre. Allez, vas-y, Lucia. Ugh, not in a million years. Ok, bon, ben, Cohn, alors. I've been a fan of your work for many years, Eidolon. It okay. would be an honor. Oh, Marshall Kwan, it'll be our pleasure. Quel coquin, celui-là. Just don't go stealing the spotlight from any of my boys, okay? A job well done, you. Okay, everyone, places. Our audience awaits. What's that? A script? Darling, we don't need those. Ladies. Gents, that was everything a simple man could ever dream of.
Now, don't you think your 80 would forget your dues? You've been such a big help, Sugar Pies. So here's your reward. Come talk to me later to see how we got on, okay? Okay. Bon, mais c'est c'est très bien. Bizarre, mais bien. Putain, fusil d'assaut. C'est quoi ça? Ah, il y a des carreaux d'arbalète. Oh putain. J'ai trop fort ça. Ah, mais je. Oui. Peut-être monter de niveau les gens. From my belly button. It's the nanny. Yep, yep, yep. I got a tongue designed for every orifice of your body. Ah, oui. I tell you what, once you've been deputized by me, you'll be spoiled for life. Ah, ouais. Ok. Saut de force. Peu de la chance. Peut-être ce que j'aimerais bien, c'est quand même qu'il ait un peu plus de. Bon, allez, vas-y, de la force, ça fait mon tank. Hein. Ok, toi, tu peux faire. Ah, ça c'est pratique. Mais en même temps, premier soin, c'est bien aussi. Non, allez, explosif. Ça, il m'en reste deux. Ouais, bah, très bien. Ah, bah, je peux peut-être lui foutre mêlée. Ça peut être bien, comme ça, je peux lui mettre une. Ça, je peux lui mettre une arme de poing. Un piolet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 4 menus, celui-là. Arme contendante. Niveau 6. Bah, je peux lui mettre ça, hein. Ah merde, j'ai oublié de monter le niveau vers Céline. Donc je vais y mettre. Look, lady. Try not to pile on me all at once. Ben, je vais lui mettre de la chance. Et, et là on peut faire des trucs d'intello ou le fusil. Il y a plus de précision, je suis déjà vachement bien en précision, donc on peut faire des trucs d'intello. Allez, intello, ça me va bien. Ouf. Là, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être acheter un bon fusil d'assaut, mais j'ai pas beaucoup d'argent. 404 en argent. Je vais vendre un piolet. Ça c'est. Essayer de vendre un truc ici. Sanctified hello again, strangers. Ouais, salut. Certainly. Ah merde, tu as rien à vendre. Est-ce que. Ouais, niveau 15, il est hors de prix. Hein. Il est hors de prix. Et toi là, t'as un truc niveau 5, putain. C'est pas mal. Ils sont où mes fusils de précision? C'est pas ceux, hein. Niveau 5. Ah mais non, j'ai un niveau 13 là. Putain, quel con. Est-ce que je prenne ça? Ah merde, j'aurais dû c'est lequel? Ouais, on va dire c'est celui-là, pouf. Ah
Allez. Oh putain, je peux pas démonter ça. Pourquoi j'ai trouvé comme ça? Ok, bah tant pis. Bon, du coup, ce que j'aimerais bien, c'est que mon arme lourde soit pas sur les mêmes lunes, parce que sinon ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. Il y a qu'un ancien. Ça c'est pour Lucia ça. Ouais mais le canoncier. Ah ouais mais ils ont la même distance. Ok bon. Sous mes armes lourdes, silence, flamme. Mitraillette lourde. Bon, je peux repasser sur celui-là avec lui. Hein. Allez, on va repasser comme ça. Zou. Ok. On va très bien. Thank you. A laser pistol. Sanctified with blood. One of these. Blood sanctified by guns. Yes. Bon, ben c'est très bien en tout cas. J'ai pas mal avancé là-dessus. On va essayer de voir si je peux avancer sur une autre mission. Ok. Historiquement. Non, c'était pas là. La la fanatique. Là, il faudra que j'aille avec Denver. Et là, rachat très hostile, voyager vers les ruines de Denver. Ah oui, non, c'est pas ça. Là, faut que j'aille où? Trouver dans le repère un vieux concessionnaire au nord du bizarre. Ok, c'est du garage de stationnement effondré. Bah, ok, alors les gars. Oui. On va essayer de voir si s'il y a une map. Ils sont peut-être sur la map. C'est au nord du bizarre, donc. Ça peut être trouvable. Bon. Bon, ça va être. On va tester par là. Est-ce que là on peut. J'irais bien ici quand même, le musée des clous, j'ai pas fait. Voilà. On voit des machins. Bon. Zero. 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 Seven. Nine. Four. Seven. 9, 4. Ok, les clous. Vous voyez? Ah, c'est rentré dans la zone, le musée des clowns. Il va y avoir des trucs là-dedans. Mamones, the fuck you doing here? This ain't just a museum, pendejo. It's sacred ground.
A shrine to the great joke. You're gonna get it! Oh, ok. C'est tous les gars? Ah. C'est tous les gars? Sérieux? Ouais, ok, super. Ok. Allez les chats. Voilà, très bien. Bon. Ah, raté. Ok, bon bah Germain. Allez, on va peut-être pas tarder à mourir. Ok les gars. Est-ce que y a un endroit où ça peut faire boom? Non là, c'est pas intéressant. Éventuellement ici. C'est pas ouf quand même. Où est-ce qu'ils sont les petits bonhommes là? Il y en a un là. Ah non, oui, ça passe. Hein. 39%. Ouais, j'ai presque intérêt à le. Ok. Marshall Phone. Ouf. Poussia. Oh mais c'est vrai. Ah oui. Oh mais t'es mort toi. Aïe pardon la poudre. Ouais tu peux décourager ouais. Ah shit, ouais puis j'ai un main là il est... C'est con ça. T'es mauvais Jack. Thank you.
30%, non, mais là. Très bien ça. Putain, bon. Une chance sur deux. Raté. Voilà. Tu vas devoir passer par l'infirmerie en fait. Trousse de secours, on va l'utiliser. Puis on va. Allez. Ok, bon bah très bien. Sauvegarde rapide, bah voilà, pouf. Puis là on va récupérer des trucs. Alright. Ok. Ok. Ah merde. Ok, bon bah on va. Ah c'est dommage. La drill là, tout ça, tout ça. Okay. La question. Ah oui. Ok. Bon, on va plus décommenter alors. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a d'autres choses par là? Possiblement. Ah, cadavre. Ouais, non, mais ça, merci. Là.
Ok, bon ben... Ok. La porte. Ah, ben... Là, je peux pas... Ah, mais oui. Ah ouais, ok. Bon bah je vais... Impossible à crocheter. Merde. Ok, bon bah il faudra que je revienne probablement en fait. Parce que là j'ai pas... Ah. Ah ah ah. Là je ne sais pas. Et je pense que j'ai besoin de pouvoir ouvrir ça et pour l'instant j'ai pas le niveau. Bon, ben, je reviendrai. Yes, I will travel. Peut-être que je rajoute aussi un peu de force à notre ami. Le marche. Non. Oh non, embuscade. Allez. Ok, cool. Reviens à la survie. Entrez dans la zone. Bon, je suis pas du tout en train de faire ce que je devais faire à la base. Mais j'explore. Je me balade, tout ça, tout ça. Bonjour, alors. Putain, ça a l'air d'être encore un peu le bordel ici. Tiens, il y a une porte. Je vais essayer de rentrer dans la porte. Peut-être des gens. Non, il y a personne. Ils filment des trucs, des cadeaux. Bah, ok, on va prendre des cadeaux. Hein. Ah merde. On va rouvrir cette porte et il non, il ne faut pas de cadeau cette fois. Donc là, il nous ouvre une porte. Ok, on passe par là. Très bien. Là, il y a un petit chat. Ok, super. Et là, il y a un truc. Hein. Oui, encore. Très bien. Là, qu'est-ce qu'il y a ici là? Secret. Merde. Hop là. Est-ce qu'il y a un truc là en fait à voir? Non. Allez. Non, non, non. C'est juste le passage qu'il fallait voir. Ok. Ok. Bon, non, on va passer par là. Alors. Très bien, très bien, très bien. On va monter la maison. On va désactiver ça. Et ça, ça doit, je pense, activer des tourelles. Puis comme je vois qu'il y a un gros vilain chat ici, ça va être assez violent. On attend, je reviens.
là, ouais. Donc on va essayer d'aller par là et on va essayer de voir un peu si ça c'est un gros. Ah non, bon, ça va, c'est un niveau 3. Bon, il a beaucoup de points de vie, mais. Et est-ce que toi là tu peux pas charmer l'animal là? Ah merde. Eh oui, ça va le faire. Ah. Très bien. Et c'est où l'autre? Ah, du coup, ça dit. Ah, j'aurais dû le... Non. Mais quel con! Je t'ai pas demandé ça, bordel. Ah putain, mais il y en a deux en plus. Ah non, mon poulet cyborg. Waouh! Toi, tu sais quoi? Toi, tu vas t'en prendre la gueule. Voilà. Toi, tu t'apprendras. Et tu n'aurais pas dû.
Ok, ah ouais. Ça c'est quoi? Niveau 10? Ah pas mal. 10 d'assaut, bon c'est de l'énergie, ce qui est dur et cher. Ah. Oh les gars. Non, je peux rien choper ici, je suis obligé d'aller là-haut. Obligé d'aller là-dedans là. Putain mec, tu vas aussi prendre un hypomètre du coup. Boîte de mines, on va peut-être avoir des mines, trop bien. Ah, une cassette. Explosif, ah, trop bien. Welcome to the Strike Back Pirate Radio. Striking back at big government with the most dangerous weapon in the arsenal of any resistance. The truth. I'm Brad Conway, and today, we're gonna talk about those strange reports from the Antarctic wastes. What are the creatures that have been sighted by multiple sources off the frozen coasts of Earth's southernmost continent? Some say there are human-machine hybrids stalking the tundra. Are some kind of monstrous government experiments taking place somewhere in those icy seas? And if so, who in our government is responsible? And what is the purpose of these unholy creations? Ok. Non, ici, a priori, il n'y a rien. Ok, bon, mais je vais pouvoir quitter. Je voulais quand même coller ça parce que je crois que c'est lui qui est balèze en explosif. Voilà, donc toi, tu vas faire un peu de lecture, mon grand. Tu vas lire ça. Et là, bim! Explosif, plus un. Oui. Bon, là c'était relativement simple. Bon, on va retourner là. Oh, des Russes. Je veux pas aller au musée là. C'est pas pour le moment. Je pense qu'il y a un personnage de quête. Mais bon, parce que je ne pouvais pas y accéder sans ça. Est-ce que là, il n'y aurait pas un petit virage par là? Oh putain, c'est merde. Les odeurs nauséabondes. Treating you all right. Looking to trade? You all are buttering me up one side and down the other, but shoo. Just some odds and ends I've taken in trade might be useful. Oh
merde, barrage. Aïe aïe aïe. Je crois que j'ai pas sauvegardé depuis un bout de temps. Hire a better class of spy. Points for bravado, but my robots will turn you into a thin red mist before you get a shot off. Want to reconsider? Est-ce qu'on lui demande pourquoi on veut renverser son père? Because he's taking too long to die of natural causes. Colorado will die before he does if someone with some vision doesn't take control ASAP. And that's not either of my brothers. Are you blind? He's letting a crazy cowboy cult control our oil production. Our main trading hub is run by a bunch of idiots and monster masks. All that should have been state-run ages ago. We... Ugh, why am I arguing policy with a bunch of gun jockeys? The point is, my father has Colorado in the palm of his hand, and he's afraid to close his fist. I am not. Ha! I can see you haven't met him. Vic's a depraved child, and Val's a brain without a spine. I wouldn't trust either one to run a mess tent, let alone a country. To think of all the years my father wasted grooming them for glory when I was right there. God. Shoot him before he talks. Your sanity'll thank you, and you'll be doing Colorado a favor. Not that it'll be easy getting to him. He's got his followers hooked on some kind of hypno happy gas. They'll do anything for him, including die. The sooner he dies, the better for Colorado. He's the perfect puppet for some usurper, like the Gippers, to put on my father's throne and claim he's the legitimate heir. Of course, killing him would piss Daddy off. And you ass-kissers wouldn't want that. Might be the only way to get him out of Denver, though. Those Gippers got their hooks in him deep. Ha! Thank you for your permission! Squad, roll out. Ok. Bah, enfin bon. Ouais, je l'ai laissé partir parce que c'est vrai que Buchanan, là, enfin, le patriarche, il est quand même très louche. Ouais, elle semble quand même puer aussi grave. Donc, non, par contre, ce que je me demandais, c'est... Je suis censé retrouver les gars au nord de... je sais pas quoi là. Ah, pardon. Hey, it's the Rangers again. Always good to see you guys. Got some more prime civil forfeiture in the back if you want to look. Hey, our pleasure. Always glad to help. Huh? Oh, yeah! Guilty as hell. Trust me, every one of them. Yeah. Stolen? What the fuck you talking about? If the marshals took it, it's not stolen. Allez, on doit retourner bosser, les gars. So long, Rangers. Ouais, so long. Donc ça c'est pas là. Mais où est-ce que c'est ce garage effondré là? Je suis en train d'aller super loin. Oh non 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 non
received an urgent message from a distraught local currently being pursued by band. The victim is Kim Hai and her sister. They're being pursued by... Kim has indicated that time is a critical factor. Unknown, Team November. Sorry to be low on... They're on the move. Sending you coordinates. Time is up. No, c'est pas bon ça. Ouais, la vache. Ouais, bon, bref. Ouais, moi je voulais la map. Parce que là je suis là. Bizarre. Non, ouais, merde, je pense qu'il faut que j'aille par là. Bon, je vais re. Ah, chiotte, c'est pas ce que je voulais. Nous sommes au nord, bizarre théoriquement. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel là? Non! J'ai une partie, c'était il y a combien de temps la dernière? C'était il y a 7 minutes. Ouais, mais je crois qu'on va faire ça. Hein. On va faire ça parce que voilà. Là, je suis. J'ai 4 morts là. C'est pas ouf. Ok. Ah. Bon, on va refaire les mêmes même choix. Par contre, ok. Bah, je sais pas où il est ce putain de garage alors, la con. Ok. Tell him to hire a better class of spy. My robots will turn you into a thin red mist before you get a shot, and that's not either of my brothers. And not. To think of all the years my father wasted. Not that it'll be easy getting to him. Of course, killing him would piss Daddy off. And you ass kissers wouldn't. Squad, roll out. Okay. Bon, bah voilà. C'est très bien. Bon, je pense que. Là, c'était très bien comme ça. Je vais sauvegarder là. Bon, je vais pas faire le tour où je. Où tous sont morts là. Sauvegarde. Ok. Bon, bah, je peux essayer d'aller vers Denver. Là, j'aurais pu repasser au QG et puis
Attends, c'est vers Denver ou la semaine? Denver, ok. Let's play a melancholy one now, okay? A song about love, loss, and moving on. A song to touch the heart. Denver. Je vais aller là. Par contre, on s'arrêtera là parce que là, ça fait déjà pas mal de temps que c'est en route et je commence un petit peu à fatiguer. Pour vous dire. Outsiders are forbidden to interfere. Ah bon? At ease, Sister Glory. I know what this is about. The Patriarch has sent the famous Desert Rangers to inquire after his son, Valor. I'll be with you in just a moment, Rangers. Justice is swift in God President Reagan's America. Ok, Président Reagan. Well, well, so polite. Excellent. We have something we'd like to discuss with you, too. Okay. Ronnie, are you ready to begin the trial? Yes, Nancy. Present the accused. I've heard about this thing. Some kind of sentient super weapon, so watch out. Thank you, husband. First, the heathen Godfisher attacked three of our commandos, captured one, cut off his limbs, and sent him screaming into the sky. The gods of the sky must be appeased, or the nurturing rains will never come. Thus, we appease them with our sacred kites and the blood of unbelievers. Well, that doesn't sound very civilized. What's the other one done? No justice could be more American than the justice of God President Reagan. Now please. The other one, husband, is a communist robot from the machine commune who trespassed on our land. Your designation is incorrect. We are a direct democracy. And I entered your lands to heal the injured humans. It is irrelevant whether one is communist. Communist? Communist? No one can be denied the promise that is, well, America. Let's give her a second chance. Go and sin no more. Fools, the gods of the sky will devour you. Thus is justice done in America. God bless us, and God bless God President Reagan. Okay. Okay, les gars. Sorry to keep you waiting, but matters of state must come first. I'm Mother Nancy Reliance, and this is my husband, God President Reagan. Welcome to the shining city on the hill. First of all, I didn't kill it. Ronnie did. Second, the will of the God President is not to be questioned. If he spares one sinner and not another, there must be a reason. If you still want to discuss Valor Buchanan, come and join Ronnie and I in the Western White House. We will receive you in the sacred server room. Okay. Bon. Jelly beans! We haven't had any visitors since we paused the Patriarch's oil!
And wow, the Desert Rangers! We don't get many famous folks around these parts. You're getting the VIP treatment, too. Meeting the God President face to face. I'm Sister Nancy Glory, by the way. Anything I can do for you? That was all the God President. Ain't that right, sir? I have to protect my Nancy, don't I? Oh, Ronnie. You're making me blush. Ronnie, set her free. She's one of them crazy godfishers. They like to hang people's torsos onto kites and fly them up in the air. Supposed to attract disgusting heathen nonsense. It'll all go. This is Ronnie's land, his oil, and we ain't leaving. Not for cannibals, call me computers, pinko robots, or filthy plain savages. Not for anyone. Take the name Nancy from Ronnie's original wife, back before the deluge of fire. It's the greatest honor a woman can achieve, being a Nancy. I love my Nancy. Oh, I love you too, Ronnie. Oh, Ronnie's everywhere. He sees through every statue in this place, but the place he likes to be most is in the server room with Mother Nancy. Well, because the robot was a commie, obviously. But you never know with Ronnie. Last week he spared a robot, killed two godfishers, and incinerated a tree. It's all part of his plan, though. I know that. Ok, allez, prends soin de toi. Ray, don't forget, Mother Nancy and Ronnie are waiting for you inside. Allez, on va parler au robot quand même. Well, hello down there. Looking forward to seeing you inside. Ok. Bon, bah, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire là-dedans. Oh la vache. Peut-être marrant. Et là, le pétrole. Le pétrole de Yann. Ok. Bon, on fera tout ça la prochaine fois. Tchao.